Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Zombie pour continuer la découverte du chemin tortueux, The Tortured Path, voilà, avec le petit accent. Donc chapitre 3 du coup sous la glace qui est bah, le troisième et dernier chapitre, voilà, donc peut-être qu'on aura une super récompense à la fin, je sais pas. Mais du coup, voilà, il est temps de découvrir cette troisième map. Pourquoi pas de la réussir, même ce serait l'idéal de toute façon de la réussir. Alors, je suis pas ultra chaud parce que finalement, j'ai pas joué depuis hier. Donc, hier, c'était le moment où j'avais fait du coup les deux vidéos sur les deux premiers chapitres. Donc, j'ai pas joué depuis en zombie. Je suis chaud quand même pour faire vidéo, tu vois. Mais on va voir en termes de niveau qu'est-ce que ça donne. De toute façon, bon, honnêtement, ça m'étonnerait que je réussisse du premier coup parce que soit je me tape les défis chelous, surtout le défi avec les zombies de The Shadow Throne. Alors là, je suis mort direct. Ça, c'est le boss qui va me poser problème parce que bon, découvrir un boss, c'est pas facile. Surtout que là, contrairement au Brenner, même s'il était différent, et du coup au Stadjäger, ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bon, là, c'est un tout nouveau boss qu'on n'a jamais eu, c'est le gardien, du coup, donc ouais, j'attends de voir. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Hop, toujours la même combinaison en termes d'équipement. Let's go! Let's go, let's go, let's go. Donc le secret ne semble toujours pas avoir découvert parce qu'il y a bien, il y a bel et bien un secret, j'ai pu voir. Qu'il y aurait en fait une certaine quête pour chacune des maps et serait sûrement relié. Après, on aurait sûrement voilà une cinématique, peut-être même un boss différent à toute fin, je ne sais pas. Et voilà, là on voit du coup le gardien, le boss final de cette troisième map. Donc il semblerait qu'il y ait vraiment, vraiment un secret, ça c'est sûr. Mais par contre, pas de découverte, pas de cinématique de fin. Toujours rien de trouvé. Je tourne ces deux, on est le mercredi soir, donc ça va, la map est sortie depuis maintenant quasiment 2 jours. Mais. Pour l'instant, c'est bien gardé en tout cas le secret. Hein. Voilà, faut indiquer ça. Allez, on est parti. Alors, du coup, la map, comment ça va fonctionner? Alors, déjà, là, d'entrée, on a la petite revive. Faut profiter de toute façon de la première manche là pour qu'on découvre la map. Je pense que sinon, ce sera pareil hein, en termes de fonctionnement. 3, 6, 9, objectif 10, on a le petit boss. Les objectifs seront sûrement les mêmes. Ouais, là, on retrouve les radios et tout, donc tu vois. Donc là, c'est passe-passe. Ça, c'est passe-passe, ok. Bien, très bien. Ça, justement, on le voyait dans le trailer. Et ça doit être pour le secret. Parce que, comme je vous l'ai dit, chaque map a sa mini-quête. Et là, ça doit être relié à ça, sûrement. Hein. Voilà. Sinon, sinon, sinon. Ok, on a. Ouais, il faut que je repère les trucs pour le pack-a-punch aussi, ce serait bien. Donc là, on a les dégâts au corps à corps qui sont accrus. Bah là, on a un truc de. Ah, bah on a le pack-a-punch aussi, ok. Donc les deux sont là. Donc ici, pour la mitraillette. Et là, on a fait le tour. Ok, donc c'est une map circulaire. Et ça, ouais, ça c'est la salle qu'on voit dans le trophée, justement. Donc ça, je m'étais un peu fait spoiler par ça. Parce qu'on voyait quand même bien la salle dans le trophée. C'est vrai que c'est très ressemblant par rapport à l'image. Du coup, là, c'est assez bizarre quand même comme salle avec ça. Mais sinon, on n'a pas d'atout en plus ici. On a un piège! Est-ce que c'est pas le premier piège que je vois depuis le début? On n'en avait pas vu des pièges dans les deux premières maps. En tout cas, j'en avais pas vu. Mais je pense qu'il y en avait quand même, c'est juste que ouais, j'avais pas tilté. Je cherche juste là du coup. Ah bah il est là. Dégâts accrus, ok. Et courir vite non plus que j'ai pas vu du coup. Et bon, j'ai pas non plus vu du coup tous les trucs de pack-a-punch. Bah j'en ai vu qu'un seul, c'était celui du pack-a-punch. Donc ouais, ça faut repérer. Ok, on a cerise, même si lui je devrais pas le prendre, je pense, en termes d'atout de toute façon. Et là tu vois, t'as encore les trucs, hein. Ça c'est pour le secret, clairement. Parce que du coup, je sais que dans la seconde map, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu utilises les Uber Shaft, hein, je crois que c'était ça, ce qu'on avait dans The Final Rage, tu les utilises. Donc, ça doit être pareil dans cette map. Ah, bah, on en a un là également, ok. Donc, juste à côté du spawn. Et là, on a courir vite. Ok, bon, c'est bon. Je pense avoir repéré les trucs un peu intéressants. Juste qu'il manque. Ah, bon, en plus, c'est celui qui nous intéresse, celui qui manque. Bah, dans la logique, il se trouverait. Attends, le Pack-a-Punch, il est. Pack-a-Punch, il est là. Il est là. Donc, il doit être là-bas, je pense. Le truc du pack-a-punch. Où il faut faire les kills à côté. Dans la logique en triangle comme ça. Bah c'est peut-être juste au niveau du truc du secret là. Tout simplement, je l'ai pas vu. Non, même pas. C'est même pas ici. Bah, peut-être au middle, je sais pas. Ah non, c'est ici, c'est bon. Trouvé. Donc c'est juste sur les côtés. Bon, la map a pas l'air compliquée parce que là, on a comme un gros cercle en fait qui entoure tout le middle de la map. En fait, là, c'est hyper simple quoi. C'est sûr que si tu compares à la seconde map sur le bateau, là, c'était quand même beaucoup plus simple parce qu'en fait, c'est ultra circulaire. T'as le grand cercle, on va dire, et t'as le petit cercle au milieu.
Mais à part ça, en fait, elle a rien de plus, la map, hein. On va dire que ça devrait le faire. Ça devrait le faire pour comprendre comment ça joue. Il y a beaucoup de zombies, là, par contre. Après, t'as pas des accès de partout, par contre. Là, c'est quoi, ça? Pas des accès de partout, ouais. Donc, faut quand même des fois faire des grands tours, comme là, pour que je rejoigne de retour le truc du pack-a-punch. Je prends mon temps, là, posément. C'est vrai que j'avais peut-être pas pris autant mon temps pour les autres maps, mais bon, là... Là voilà, surtout qu'en fait sur la seconde map, bon, t'avais pas vraiment l'occasion de prendre ton temps vu que c'était très resserré. Là au moins, il y a des espaces donc ça va. Quand il y a des espaces, c'est circulaire et tout, mais c'est quand même des petits espaces. Hein. C'est pas aussi libre que la première map. Bah bon, ça va le faire. Là déjà il doit pas... C'est bon, ouais. Ce que j'allais dire qu'il devait pas rester beaucoup de kills, mais effectivement c'est bon. Donc là on va prendre la petite mitraillette en espérant que ce soit la M928 parce qu'on avait obtenu du coup l'artillerie dessus, la pièce d'artillerie là pour avoir plus de dégâts. Ce serait tip top. Et non c'est la Orso, je sais plus ce qu'elle donne la Orso, je sais même pas d'ailleurs si je l'ai déjà testé en zombie. Pourquoi pas, ce qui est bien avec la Orso c'est que ça fait partie des armes, ah oui merde j'ai pas de points, où j'ai plutôt gardé les atouts, enfin les accessoires pas les atouts. Dessus parce que je sais pas, il y a un espèce de bug pour certaines armes DLC, les premières. Quand tu passes le prestige, tu gardes les accessoires dessus. Donc la Orso en fait partie, du coup j'ai les chargeurs en cap et tout, donc ça peut être utile. Après on verra, hein, mais ouais, c'est un petit gain quand même. Hein. Maudite machine. C'est un petit gain. Donc là, objectif du coup, double coup. Ouais, là j'essaye de tryhard là. Hein. C'est bon. Maintenant que je connais comment ça fonctionne tout ça, laisse plus la place au hasard. Hein. Seul truc qui pose problème, c'est que si si j'arrive à la fameuse manche où il faut tuer des zombies spéciaux, que les zombies spéciaux en question sont de ceux de Sage Throne, bon bah je pense qu'on sera perdu d'avance, voilà. Faut espérer que ce soit pas le cas, hein. Soit on n'a pas du tout cet objectif et tout va bien, soit ils nous donnent les bumpers et puis ça va pour l'heure aussi, hein. Je suis là sur cette map, oui, tu tournes et puis c'est bon. Ok, donc première vague c'est bon. Faut être prêt parce qu'aussi bien, dès la troisième vague à objectif, ça va être justement les zombies spéciaux, ça on sait pas. Hein. Mais du coup, il y aurait 5 objectifs différents. 4, attends, on va essayer de les dénombrer. On va essayer de, ouais, de les dénombrer. On a l'objectif du coup où il faut protéger quelque chose. J'enlève qu'une seule fois celui-ci. Donc ça c'est ok. Ça c'est, par contre, c'est pas ok que je me fais taper comme ça. On a celui où il faut tuer l'espèce de bomber là, il faut en tuer 3. Avant qu'il rejoigne son, on va dire, son point d'extraction. Les deux objectifs, on a celui des zombies spéciaux, on a celui des réparations, et on a celui des mushlers, donc c'est bien ça, on a 5 objectifs, je pense pas qu'il y en ait plus, parce que bah, c'est les seuls sur lesquels on était moins. Alors il y a un 6ème objectif, voire même un 7ème, mais vraiment je suis jamais tombé dessus. Ça m'étonnerait honnêtement, donc je pense que ouais, c'est les 5 objectifs sur lesquels on peut tomber. Honnêtement, ce serait mieux quand même de tomber sur la défense, je dirais, surtout de tomber sur... sur le petit objectif de réparation, parce que là c'est le plus simple. Mushler, honnêtement, ça va. Hein. Ça peut aller, Mushler aussi, donc bon, pourquoi pas. Tuer aussi le bomber là avant qu'il arrive au point d'extraction. Bon, ça, une fois que t'as compris que t'as le SAP 9 mm, ça va aussi. Hein. C'est pas cornélien, donc ouais. Par contre, vraiment, les zombies spéciaux, je peux faire les éviter. Hein. Ça, c'est pas encore un truc qui est. qui est très bien maîtrisé. Hop, et là on va y arriver en plus à la manche 3. Aïe aïe aïe. Je suis prêt, je suis prêt. Cette map changera pas la formule de toute façon, hein. C'est pour ça que je me prépare bien. Parce que non, je pense que ça va être vraiment pareil. Hein. Peut-être prendre courir vite limite. Hein. Courir vite, du coup, il était où déjà? Oui, parce que tu localises, tu te dis ouais, c'est bon, et après t'oublies. C'était lui, non? Non, c'était peut-être pas ça, hein. Non, c'était couvert vite. Alors, ah bah, les zombies spéciaux, bon. Plus qu'à croiser les doigts que ce soit les bons zombies spéciaux. Ça a l'air d'être les bons zombies spéciaux. Je n'entends pas les autres crier comme des malades. Ça a l'air d'être bon, ok. En même temps, je pense pas qu'ils sont salauds au point de nous donner manche 3, ces zombies-là. Ils sont vraiment beaucoup trop coriaces, on est d'accord. Et putain, la Orso, je la trouve quand même bien efficace. Hein. Là, ça fait le taf. Hein. Par contre, un truc que j'ai pas repéré, ce sont les caisses de munitions. Ça, normalement, on est censé les voir quand, bah, quand on a plus de mun. Hein. Mais je sais pas si c'est parce qu'on est manche 3, mais comparé à d'autres manches comme ça explosifs. Quel cauchemar ! Bah, par contre, là, ils sont nombreux. Et je trouve que je les tue très rapidement. Hein. Ça passe bien. Hein.
Alors soit ouais, vraiment c'est l'arceau qui est plus efficace, soit... soit c'est la manche froid, mais... Regardez, il y en a quasiment plus là, je pense. Ouais, quoi que j'exagère. Il y en a sûrement encore, mais ouais. Ça passe. Là, il reste 1 minute 30. Non, il doit pas en rester beaucoup là, 1 minute 30. Genre, t'es peut-être le dernier, non? Vous êtes les derniers, vous? Non? Vous alors? Oui. Et ben, c'était très simple. Et du coup, bah, c'est bien parce que, bah, ça, hop, c'est éliminé les zombies spéciaux. On en entend plus parler. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça commence bien, on va dire. Par contre, c'est vrai qu'aussi avoir les mushlords le plus tard possible, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Là, on est vraiment dans une grotte. On va dire, je suis pas sûr que c'est en Antarctique. Hein, à chaque fois, je le dis, mais ouais, je suis pas sûr ça. Mais on est sous la glace, voilà, dans les contrées glacées de la Terre, vrai ou ça, je sais pas. Je sais pas. On pourrait peut-être prendre le 1911 d'ailleurs. Ouais, allez. Je pense pas que je le garderai, mais pourquoi pas. Là du coup on est tranquille jusqu'à la manche 6, donc il y a de quoi se préparer. Bah, je vais déjà je vais plutôt. Eh mec, il galère à parler. Je vais plutôt opter du coup pour recharge rapide, je pense. Parce que bon. Sinon les autres atouts, hein. Donc non, on va prendre recharge rapide. On est juste à côté, autant en profiter. Hop. Moi, je vous le dis, et là comme ça, niveau des petits atouts, c'est au petit. Ah oui, bah déjà aussi, attends, du coup il faut commencer à remplir là. Direct le second truc du pack à punch, donc c'est lequel qui est allumé? Bah normalement c'est celui qui est là-bas. Oui, vu que le dernier c'est celui du pack à punch, donc c'est celui qui est là-bas. Il était là du coup, normalement dans les parages, non? Ah, il est là, c'est bon. On a pas mal d'espace ici, ça peut le faire. Ouais, non, elle a l'air puissante là, Orso, hein. Peut-être la première fois que je l'ai, je sais pas. Mais elle est puissante, hein. Sûrement que les accessoires que j'ai dessus, ça peut aider, mais bon, ouais, c'est un petit chargeur round cap, c'est une petite poignée, voilà, c'est pas des trucs qui donnent plus de dégâts non plus, donc non, elle est quand même bien efficace. Merde, par contre, là, j'ai perdu du blindage, c'est pas grave. Je peux en récupérer facile. Et ok, ça, c'est fait du coup. C'est parfait, il restera plus que le dernier. On arrive à 5, on arrive à la moitié. Non mais surtout le boss quoi, le truc le plus redouté, c'est pas grave si j'échoue du premier coup, mais voilà, ce serait bien de comprendre le truc. Ouais, ce serait bien, ce serait bien. Surtout c'est ça le truc le plus bizarre, je sais pas ce que c'est ça. Hein. Soit c'est pour le secret, soit il y a un autre truc, mais c'est très étrange comme ça là. Ça va pas servir à rien en tout cas, c'est sûr. Après faut juste savoir à quel moment ça peut intervenir. Ça, bah les mystères hein. Hop, ça c'est fait exprès, c'est pas parce que je suis en danger, mais vu que je vois une charge, autant voilà, en profiter. Et comme ça, ça me donne un blindage. Et oui, on joue tactique là. Et là, hop, je récupère ça, je retrouve ma charge, voilà, c'est parfait. C'est parfait, ça c'est le bon jeu quoi, c'est bien pensé. Ils sont bons, j'ai le SAP 9mm. D'ailleurs, SAP 9mm, vu que j'ai vu pas mal de gameplay, des recherches secrets, tout ça sur les deux premières maps. Oui, bah, j'ai pas regardé quand même la troisième map, voilà, pour que pas que je me spoil, pour que ce soit vraiment une découverte. Je peux voir qu'ils utilisaient beaucoup le SAP 9mm, donc ça, voilà, ça conforte que vraiment c'est une bonne arme. Par contre, un truc que moi j'ai pas, ils l'ont à chaque fois quasiment tous en Akimbo. Et oui, ça par contre, c'est un peu mort pour moi parce que bon, SAP 9, ça fait partie encore des armes où du coup mes accessoires sont sauvegardés même si je passe le prestige, donc c'est cool. Mais j'ai jamais pensé à mettre Akimbo dessus. Donc là, Akimbo, c'est le dernier accessoire, donc je sais pas quand je le débloquerai. Tout tant pis, ça je l'aurai pas, mais je pense que oui, effectivement, ça peut quand même bien faire la différence. Ce que j'ai vu en Akimbo, vraiment, ça projette. Hein. Ça projette du très très lourd. Et là, malheureusement, du coup, non. Ça, je l'aurai pas. Hein. Est-ce que ça change vraiment la donne? Je sais pas. Par contre, contre les Wusling, c'est peut-être un peu moins puissant là, Orso. Hein. Je sais pas. Wusling, ça résiste. Hein. Ça résiste très bien. Et attention là, attends, ça va être la vague 6. Faut être prêt. Faut être plus que prêt là, surtout que bon. Peut-être avoir hein, les mushlers là. Je pense que du coup, c'est maintenant les mushlers, les trucs les plus dangereux sur lesquels je peux tomber. Faut faire gaffe. On va prendre une autre mitraillette au pire. Hein. Quoique non, je peux même prendre un fusil d'assaut. Parce qu'ils m'ont même pas donné de fusil d'assaut dans le largage, les salauds. Donc ouais, on va prendre un fusil d'assaut à la place du 1911. Ça, je serai pas tout seul avec la Orso. Et là, bon, s'ils peuvent du coup me donner la M1 Garand, c'est tant mieux, vu qu'on a vu la seconde pièce d'artillerie sur la M1 Garand. Ok, Volstamp Gewehr.
Je sais plus ce que ça donne, mais si je me rappelle bien, vu que je l'ai quand même déjà eu en zombie, je crois qu'elle est quand même bien, la Wolstermgewehr. Je crois que c'est une bonne arme. Ça galère quand même sur le boosting. Hein. C'est pas amélioré, donc ça va, mais ça galère un peu. Hein. C'est le même boosting, ça, d'ailleurs. Je suis même pas sûr. Ils ont donné quoi? C'est toujours la carabine, j'ai l'impression, ok. C'est à peu près un peu plus d'un chargeur, hein. Ouais, c'est un peu plus d'un chargeur pour tuer un Wolstling avec la Wolstermgewehr. Bon, et ben c'est parti là du coup, hein. C'est parti, on va encore acheter des mines, de toute façon après on aura le pack à punch, donc c'est bon. Voilà. Et là du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Alors putain, non, réparation honnêtement c'est encore mieux de tomber dessus à la manche 9. Pénard, pénard, pépère, bon, manche 6, ok, au moins on l'a cet objectif vu qu'il est facile, autant en profiter. À moins que là aussi bien c'est peut-être plus dur vu qu'on est sur la troisième map. Non, c'est pareil, c'est exactement pareil, ça prend 2 secondes à faire. On a littéralement 3 minutes pour accomplir l'objectif, autant dire ça va quoi. Hein. Ça va, ça va. Il n'y en a même pas au middle de la map, en plus de la passion, c'est juste autour comme ça. Ça va. C'est vraiment l'objectif le plus easy. Hein. Ouais, du coup, faudra pas tomber sur les mushlers au dernier. Hein. Ok, les mushlers ça se challenge, surtout du coup, manche 9, j'aurais quand même du très bon stuff, hein. Bah, du stuff de boss. Mais attention quand même, attention, c'est jamais, c'est dangereux ça ce que je fais par contre, ouais ça ne passe pas, on va peut-être mettre le camouflage, ouais j'ai le temps hein, peut-être pas non plus obligé de mettre le camouflage finalement, juste éliminer les pestes parce que c'est plus chiant du coup en termes de rapidité, il y a du boosting. Au pire, de toute façon, ouais, il y a le camouflage si vraiment j'y arrive pas. Surtout que, ouais, du coup, si tu te fais taper, bah, il te coupe le truc, hein. C'est bon. Voilà. Ah oui, c'est vrai, du coup, les zombies, ils se passent, donc j'aurais pu quand même grappiller des points. Tant pis. Donc, le colis, il va encore se larguer là. Ouais, ok. Allez. Du bon stuff, là. Du bon stuff. On a de la sterling, on a de la Nambu type 2. Ouh, regardez ce qu'on a là, par contre. Regardez ce qu'on a là. À la place de la Wolstermgewehr du coup je pense hein, parce que la Orso est vraiment bien hein. Mais ça fait la différence ça. Toujours pas de chargeur 24 dessus ok mais ça fait la différence. Ça c'est cool. Bon j'ai pas pris du coup le canon Tesla parce que bon. De toute façon c'est normalement là c'est que le canon Tesla normal, il est pas muré. Bon on l'a vu dans les précédents boss ça servait pas à grand chose le canon Tesla à chaque fois donc bon. Faut largement s'en passer hein. C'est pas un truc qu'il me faut. Hein. Absolument en tout cas. Hop, on fait tourner. Pas trop prendre de risques non plus, mais on fait tourner. Là, hop. Je vais me prendre un. Oh putain, il a pas explosé. J'ai cru que j'allais perdre un blindage là. Hein. Un peu chaud. Là ouais, du coup, faut améliorer comme au plus vite. Ah merde, il me rush. Je m'en vais. Pour l'instant ça va hein. En réalité non, de toute façon je crois que les maps sont pas vraiment c'est pas parce que t'as une, la map d'après qui est plus compliquée hein. Le truc en fait qui change surtout c'est que ça va être le boss hein. Et bon l'ordre des objectifs, les objectifs que t'as. Ça aussi c'est des trucs qui changent. Mais sinon la map là tu vois pour l'instant je trouve cette map quand même plus simple que la précédente parce qu'on a plus d'espace. C'est toujours pas bon par contre pour remplir. Oh là là. Il est relou. On va encore faire le tour, je prends pas de risque. Bonjour monsieur Wolstling. Toujours à la traîne. Il doit rester un ou deux zombies là quand même. Pour remplir. C'est bon. Par contre pour améliorer, je crois que c'est pas maintenant que ça va être possible. On va essayer de garder les Wolstling justement, comme ça je serai tranquille pour améliorer. Ah, il y a pas mal de zombies encore hein. Aïe! Oula! Ouais, non, par contre. Oh putain, dommage. Ça, c'est perdre de manière idiote son blindage. On récupérera, hein, mais. Un peu idiot. Merde, c'était un boosting, ça! Ah il me court encore après? Ouais, il me court après encore. Hein. Tenace, la bête. Oh! Ah oui, mais non, mais je croyais qu'il m'avait quand même un peu arrêté de me focus. Non, même pas. Bon, vas-y, hein. Est-ce que j'ai le temps d'améliorer la Orso? Allez, vas-y. Oh, merde! Mais je suis con, ça tape 9 mm qu'il fallait améliorer. Bon, bah tant pis, c'est pas grave.
En attendant, je te donne des petites corrections, hein. Voilà, fait plaisir. Ça, c'est une arme dévastatrice. On fait plaisir, on se fait plaisir. Et on a encore un nouveau camo, un peu doré cette fois. Oh, c'est stylé. Donc, ils ont vraiment fait 3 camos différents, hein. C'est pas forcément attribué aux maps, mais on a quand même 3 camos différents. C'est beau, ça. Là, ouais, on a un camo doré. On a eu quoi, là, sur... bah, là, on a eu le camo qu'on avait déjà eu. Attends, par contre, là, vite. C'est bon, ça récupère. Je prends vraiment mon temps, là, hein. Enfin, on est déjà à 20 minutes. Ouais, je prends mon temps, hein. Enfin, ça fait pas 20 minutes que la partie est commencée, mais ouais. Par contre, je trouve comme les zombies plus robustes, là, tu vois. C'est peut-être parce que j'ai augmenté le niveau. Ils avaient dit que ça a rajouté la difficulté. Enfin, je crois que c'est ce qu'ils disaient, hein. Pistolet automatique. C'est peut-être ça, hein. Donc là, il reste plus que le Wussling, je crois, hein, donc. Taïo, le SAP 9mm, on t'améliore. Serait bien d'avoir le petit lanceur, hein, vraiment. Une batteuse aussi, du coup, donc je pense qu'on va virer l'orso. Ça, ouais, on va aller chercher une batteuse. Oh, ouais, en espérant que ce soit la bonne. Hop. Alors, batteuse, c'est où les batteuses? C'est juste là, ok. Donc à la place de là, orso. Ah, une bonne batteuse. La Brenne, c'est pas dégueulasse la Brenne, c'est pas dégueulasse honnêtement. Ça manque de cadence, clairement, mais ça fait du dégât quand même. Hein. Après, bon, je pense pas que je vais trop l'utiliser non plus. Hein. Peut-être même que je la changerai, on verra. Là, hop, oh quoi que, attends. Hey. Voilà. C'est sûr que là, je tire à chaque fois qu'une seule balle, alors que quand en Akimo, j'ai vu, ça tirait je sais pas combien de balles à la fois, c'était vraiment abusé, hein. La Kimbo, hein. Putain, je regrette de pas l'avoir mis en accessoire, c'est bien dommage. Parce que, ouais, quand je voyais le truc, c'était quand même bien puissant. On va quand même changer la Brenne, parce que, honnêtement, c'est peut-être trop lent. C'est peut-être trop lent. Il faut de la rapidité. Genre ça, voilà. Oh, la MG15. La MG15, elle est bonne en zombie en plus, hein. Ça, c'est de l'arme, ça. Ça peut faire du bien. Est-ce que je l'améliore, par contre, je sais pas, ça, on va attendre. Pas sûr. Mais ça, c'est de la bonne arme. Bon, de toute façon, ça, c'est encore une manche de préparation, donc c'est tranquille. Pénard pépère, tout ça, tout ça. On va quand même prendre la bombe. Hein. Enfin, hey, pénard pépère, et tu sais que je suis capable de mourir, donc attention. J'espère que ce sera pas les mushlers, du coup, quand même, à la prochaine manche, là, objectif. De toute façon, là, c'est soit les mushlers, soit la défense, soit l'interception de l'extraction, là, des zombies. Préférence, peut-être pas sur la défense, parce que la défense, je suis jamais tombé dessus en solo, donc je sais pas si c'est si simple que ça. Hein. C'est peut-être pas si super simple la défense. Hein. Peut-être même dangereux, tu vois, la manche 9 de tomber dessus, je sais pas. À voir, hein. À voir. Au moins, avec l'interception, t'es quand même bien serein. Ça, c'est sûr. Hein. Interception, c'est peut-être ouais, celui sur lequel il faut tomber. Parce que bon, je suis allé deux fois, même trois fois je crois qu'on l'a eu, je sais plus, deux ou trois fois qu'on l'a eu. Chaque fois c'est quand même bien passé, hein. Il n'y avait pas eu de problème. Ouais. On verra, mais c'est peut-être celui-là qu'il faut avoir. Hein. Hop. Allez, 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 hop, tu meurs. SVT, ouais, SVT. C'est à peu près les mêmes armes qui sont toujours loot, hein. D'ailleurs, c'est les Wusslings à chaque fois qu'ils lootent les armes, j'ai l'impression. Ouais. Alors est-ce qu'ils lootent à chaque fois une arme, je suis pas sûr, hein, mais... Chaque fois, ouais. C'est eux qui lootent, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Gardez mes 3 blindages, quand même. Le petit rampant, il reste 2 Wusslings. Est-ce que c'est les derniers? Ouais, je crois que c'est les derniers. Bon, bah, allez, let's go, hein. Let's go, let's go. Voilà, et on a assez de mun, ouais, on a assez de mun pour celui-ci. Putain, le boss qui se rapproche. Putain, surtout que là, si j'échoue, on va vraiment échouer à la fin. Faut au moins que j'atteigne le boss pour voir à quoi ça ressemble, tu vois. Au moins, connaître son pattern. Au moins, second essai, si je retourne au boss, bon, normalement, ça passe, quoi. Enfin, ça passe, pas sûr, aussi bien, il est hyper compliqué. Mais au moins, je connaîtrais un peu la bête, parce que sinon... Aller comme ça, sans connaître le truc, ouais, non. Pas confiance, hein. Ok, c'est ça, parfait, c'est la... On va dire qu'on est tombé sur le meilleur truc, du coup, hein. Voilà, les dégâts sont toujours bons. C'est toujours pareil, ça, donc ça,
c'est plutôt parfait. Je sais pas où est le point d'extraction, bah il est là-bas. Et du coup ça c'est bon, et 2-1. Et où le second du coup il spawn? Ouais, par contre là quand il spawn loin comme ça, je sais pas par où il va passer en plus, vite. Vite, vite, il vient vers moi ou pas? Ah mais il m'a attendu je crois hein. Je crois qu'il attend en fait. Après il marche un peu plus vite mais sinon il attend un peu. C'est bien ça, tant mieux. Hop, on prend les devants sur lui, comme ça c'est tranquille, voilà. Et l'autre du coup il se trouve où? Le dernier. Ouais ok, j'ai l'impression qu'à chaque fois le premier et le troisième spawn c'est les mêmes. Putain, je commence vraiment à trahir de ce mode hein, je m'en rends compte, mais tu commences à connaître comme ça les ficelles déjà, waouh. Alors que bah toutes les parties que j'ai fait finalement dans ce mode, dans ces maps là, c'est uniquement pour l'instant en vidéo. Parce que comme je vous dis, du coup j'ai pas encore non joué en vidéo. Ça va, c'est plutôt pas mal. Et du coup c'est bon, le boss. Aïe aïe aïe, c'est l'heure du boss. Putain. Putain, faut pas galérer là-dessus quoi. Là va falloir jouer serein. Qu'est-ce qu'on a là? Ultra Burst? Ouais non. Ouais non. Si je peux améliorer. Putain, j'aurais même pas le temps d'améliorer ma MG15 malheureusement. 7 secondes. Sachant que c'est chronométré, donc bon voilà, même si bon souvent les boss fights sont quand même plutôt larges temps, mais bon, quand même. Alors, le petit gardien, c'est bien son nom, donc c'est bien ça, hein. En même temps, je dis ça, mais c'est écrit dans le trophée, donc c'est même pas une surprise, oui, forcément. Hein. Alors, il se trouve où? Oh putain, il est gros. Oh putain, il est gros. Oh putain, il est gros. Je le voyais moins gros quand même en vrai. Mais il prend ses dégâts. Il a pas l'air d'avoir de moment invulnérable là. Donc ça va. C'est comme ça. C'est comme ça, ça peut passer. Il doit quand même avoir un truc spécial ce petit gars. Oh, il a chuté. Il fuit par contre, oula, il fuit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Reviens là toi. Ouh, je le sens pas, qu'est-ce qu'il fait? On l'a déjà quasiment mis de life hein. Qu'est-ce qu'il fait? What? C'est ça? C'est ça qu'il faut faire? Oh my god. C'est ça qu'il fallait faire, la chatte. La chatte à Simon. Je sais pas ce qu'il faisait là du coup. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai aucune idée de ce qu'il a fait, mais bon. C'était pas super en tout cas, je pense. Je crois que s'il nous met une bastos, il nous met très cher, donc je préfère pas rester à côté. Ah putain, j'ai mal au doigt à force de spammer par contre. Moyen, moyen. Hein. C'est-à-dire quand il part, il essaye d'aller dans sa salle au milieu, mais à quoi ça sert ça? À quoi ça rime ça? Ah c'est ça, hein. Et je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas ce que c'est ce truc. Il a un peu moins de mid-life, j'ai pas perdu de vie. On va prendre des munes. Hop, il est où? Il va débarquer là, ok. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une attaque ça? Ça le rend un peu vulnérable. Hein. Putain, le spam manette, c'est horrible. Horrible. Il s'en va ou pas là? Ah, il s'en va vite. Faut le suivre. Faut le suivre tout le temps. Oula. Ok, faut tirer sur tous les trucs. Et hop. Là, de retour à notre merci. Allez. Oh putain, ça c'est dangereux ça. Je joue avec le feu. C'est pas cool de jouer avec le feu, mais ça passe. Tant que ça passe, ça passe. Comme on le dit. Ok, il fait encore son truc chelou là, c'est le moment de lui mettre. Ah, ça régène, ça régène. Il régène, il régène. Putain, merde. Allez. Yes, on l'a. Yes. Oh là là, my god. Pièce d'ingénierie Sterling. Ok, Sterling. Elle est bien Sterling en plus. Hein. David contre Goliath. Ah oui, en plus, il y a un trophée, je crois que c'est le battre en solo. Ou alors c'est s'extraire en solo. Non, non, parce que le trophée de la map, tu le reçois à la fin, quand tu t'extrais. Donc non, super, j'ai eu un trophée en plus. Bon, il est où le point d'extraction? Je suppose qu'il est là, comme d'hab, au niveau du quick revive. Ah, je veux pas vous dire, mais j'ai tellement mal à la main, là, j'ai spammé comme un fou le tir. Ça aurait été plus pratique avec un akimbo, hein. Allez, fuyez, ok. Oh, putain, on l'a eu du premier coup. Juste ma seule question, qu'est-ce que c'était que le truc au middle? Heureusement que c'est intuitif et que tu voyais des lignes en fait qui venaient du truc. Du coup tu te disais que bon il fallait tirer dessus. Je sais pas s'il vous faisait par contre. Ouais bon, j'ai eu un bon pressentiment de le suivre. Ça c'est clair.
contre là il me faut un camouflage là, vite, sinon ça va être galère à la fin. J'en aurais pas des camouflages en plus. Ça va être galère. Je peux pas trop tourner non plus hein. Faut pas rater la fuite. Eh non, j'aurais pas de camouflage, donc va falloir vraiment aller au bon moment. Aïe aïe aïe. Bon au pire c'est pour encaisser des coups, c'est pas très grave hein. Tant que je survis, c'est le principal. Allez, 15 secondes, faut y aller là. Faut y aller, hop. Putain, j'ai pris en plus là du dégât. Hein. Tant que je suis dedans, c'est bon. Tant que je suis dedans, c'est bon. Je suis dedans. C'est bon? C'est gagné? Je serai de retour pour Noël. Yes! Oh putain, j'ai eu peur parce que j'étais down. Et là, qu'est-ce qu'on gagne du coup? J'ai réussi les 3 maps? Yes! Ça fait plaisir. Surtout la dernière du premier coup. Là, je suis plutôt effaré. Mais le boss, c'était pas si compliqué. Hein, ça allait, hein. Pour moi, vraiment, le boss le plus compliqué, c'est celui de la première map. C'est le Brenner. Le Brenner, lui, quand même, il avait du challenge parce qu'il fallait aller dans la zone. Alors que là, les deux boss, bon, c'était que du spam. Hein. Même si lui, il récupérait de la vie. Peut-être ça, d'ailleurs, au middle, peut-être qu'il récupérait de la vie. Mais en fait, j'ai tellement été rapide, peut-être qu'il a pas eu le temps. En tout cas, quand il tapait, ça, c'est sûr, j'ai vu que sa barre remontait. Quand il tapait au sol, là. Ok. Honnêtement, je pense qu'on a rien gagné de particulier. Peut-être qu'on a débloqué les maps. En tout cas, si j'ai pas débloqué les maps, c'est que. Ah, par contre, j'ai le logo. J'ai le logo que j'avais pas avant. Donc ça, ça se débloque peut-être, voilà, comme ça. Ça, je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment le logo, là, que les autres avaient? Non. Mais je le voyais, mais là, je l'ai plus. Donc, je sais pas. Mais, ouais, du coup, la question. Et on ira voir juste après la question. Est-ce que, là, du coup, en faisant les 3 maps, je débloque les maps en mode survie, on va dire, en mode normal? Alors, est-ce qu'il faut justement réaliser le secret? Et là, bon là du coup c'est un peu plus délicat, même si c'est déjà une bonne première partie d'avoir fait ça, clairement. Donc si je vais dans zombie nazi, et non il y a toujours les points, donc faut faire le secret pour débloquer les maps en mode survie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais encore vu sur YouTube genre gameplay survie nanani nanana. Non, je pense que le secret a pas été résolu, donc que puik pour l'instant quoi. Hein. Ok, bon bah les choses sérieuses n'ont pas encore commencé quoi. Hein. Ce sera un peu plus coton après, mais au moins là, les 3 maps sont accomplies, ça c'est cool. C'est vraiment cool, putain. Même si je gagne rien finalement, quoi, en faisant ça. Non, y a rien en fait. Même si j'ai en partie publique, je sais pas. Recevez quotidiennement un largage aurait été tellement rare en terminant le chemin tortueux. D'ailleurs, c'est bizarre ça, parce que tout à l'heure j'avais un petit tic, j'ai été voir juste avant de lancer la vidéo, il n'y est plus. Comme si j'avais obtenu le ravitaillement, mais c'est bizarre. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'en partie publique, les maps s'enchaînent parce que c'est bien marqué hein, sur 3 et t'as les trucs et tout. Il va sûrement falloir faire un truc après en partie publique, mais ouais, bon ça je verrai de mon côté. En tout cas, l'objectif de cette vidéo est accompli. Bah, la découverte déjà dans ce premier temps, mais surtout terminer la map, donc ça a été fait, c'est bon. Les 3 maps sont terminées maintenant. Bah, la suite, ça va sûrement se résumer à faire les secrets dans chacune de ces maps, qui sont sûrement des secrets reliés d'ailleurs. Ça on verra, pour l'instant ça va pas être des découvertes, donc on va dire que je suis dans les temps, tout va bien, on n'est pas pressé, mais voilà, en temps réel, au temps voulu même, il faudra y aller, je tiendrai au courant. Donc du coup, je sais pas comment ça se passera pour la vidéo détente, est-ce qu'il y aura vraiment une vidéo détente du coup cette fois-ci, ou alors est-ce que j'attendrai d'avoir les maps en mode survie, ce serait peut-être plus logique d'obtenir les maps en mode survie avant de faire la vidéo détente. Parce que bon, si je fais une détente, mais finalement je fais la même chose dans la découverte, vu que là dans la découverte, voilà, j'ai accompli 3 maps. Parce que c'est réellement intéressant, je pense pas. Donc peut-être que pour une fois, la vidéo détente n'arrivera pas tout de suite. Donc voilà, je préfère prévenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une quatrième vidéo en zombie. Ce sera le passage au Prestige 2, voilà, dont je vous avais parlé. Donc bon, ça fera comme d'habitude. Hein. À chaque fois, de toute façon, lors des semaines spéciales, il y a 4 vidéos en zombie. Bon, il y en a 2 avant la semaine spéciale, puis il y en a 2 pendant. Bon, là, ce sera pareil. Hein. Vous avez eu les 2 avant avec, du coup, le premier et deuxième chapitre. Vous aurez cette vidéo et vous aurez le passage au Prestige 2. Ça ne changera pas grand-chose, mais du coup, non, il n'y aura pas de détente. Pas pour l'instant, j'essaierai avant plutôt de débloquer effectivement, ouais ce sera mieux, les maps en mode survie, ou alors peut-être même de tenter en partie publique avec des inconnus, je sais pas, ou avec plutôt des gens que je connais, c'est toujours mieux. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien entendu ça me fera plaisir, c'est la petite récompense. Et on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos sur le zombie de World War 2 ou sur d'autres jeux, allez bye, tout le monde, oh yeah.